C'est jeudi, j'écris. Et on est de plus en plus nombreux à squatter en avance sur les Discord de Karine. Non, c'est pas vrai, on campe pas. Non, non. Ce soir, je vais continuer la correction de ma trilogie. J'en suis au chapitre 20-21 sur à peu près 34 pour le tome 2. Il sera un peu plus long, mais il y a de nouveaux enjeux et. Ça, les disputes, les claques qui se perdent. Et peut-être de nouvelles scènes spicy. Qui sait? Si ça vous dit, si vous voulez des extraits, vous faites péter les vues, les commentaires et les j'aime. Facile, non? Là, j'ai tenté de me filmer sous un autre angle pour vous montrer ma tête lors de mon travail. Parce que parfois, je suis tellement dans le truc que je le sens. Physiquement, je sens que je fais des têtes pas possibles. Je voulais vous montrer ça. Ici, c'est peut-être un peu subtil, mais j'étais vraiment dans le perso. Et c'était pas Jojo. Vraiment, c'était pas Jojo. Après, à côté de ça, il m'arrive de faire des trucs à mes persos. Ils prennent cher gratuitement. Hein? Voilà. Comment ça? Comment ça, je suis sadique? Moi? Moi, sadique? Non. C'est pas vrai. On a eu un peu de mal jeudi passé niveau concentration, donc la pause était quand même assez bienvenue. Pause lecture d'ailleurs par Cassie, et on la remercie chaudement de nous avoir rajouté un livre à notre pal. Merci. Deuxième session, j'ai eu besoin un petit peu de soutien. Hein. Alors j'ai été chercher paprika et romarin, mes deux petites poules en crochet. D'ailleurs, si vous cherchez à les adopter, ça se passe sur Ko-fi. Regardez. Il y a de tout sur Ko-fi. J'ai des petits cupcakes. Hein, j'en ai deux pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres qui arrivent. J'ai des petits porte-clés baleine. La maman baleine. Pas en porte-clés, faut pas déconner, une grenouille, ben, voilà romarin et paprika, mais aussi la famille abeille, des petits lapins, au nom très originaux, et un petit chat. Et puis il n'y a pas que ça, bien sûr, mais je vous laisserai aller feuilleter ma page Ko-fi. Voilà, je vous fais des bisous et ben, à bientôt!